Salut! Tu sais, ce qu'il y a de fun à être kinésiologue, c'est de voir la réussite des gens. Eh bien, aujourd'hui, je te parle de celle de Nadine. Nadine, c'est une cliente que j'ai rencontrée en septembre l'année passée. Donc, septembre 2022, première fois, je me présente chez elle et je reprends la cliente d'un autre entraîneur. Alors, on poursuit le programme d'entraînement qui est établi. Et là, ce que je remarque qui ne marche pas, c'est à quel point elle a de la difficulté avec son souffle. Elle a de la difficulté à faire son programme de musculation, pas parce qu'elle n'est pas assez forte, parce qu'elle manque de souffle. Donc, je lui propose que son prochain programme de musculation, on maximise son souffle. Mais comme, quoi? Ben non, je veux faire de la musculation, je ne veux pas faire du cardio. J'ai dit, fais-moi confiance, il existe des méthodes d'entraînement où on va faire de la musculation tout en travaillant ton cardio. Compare avec ça. Puis là, ben moi, j'aime ça fixer des objectifs et je lui propose, qu'est-ce si on fixait un objectif cardiovasculaire? Fait qu'elle me dit, ben moi, je cours pas actuellement, mais j'aimerais ça. Je fais parfait. On va fixer un objectif de 30 minutes de course, qui est totalement raisonnable. Fait comme, OK, je fais moi confiance. 2 mois plus tard, c'était réglé. Au mois de novembre, elle était capable de courir 30 minutes de façon continue. Moi, j'étais vraiment contente. Les fêtes ont passé et lundi cette semaine, je l'ai revue pour la première fois avec un nouveau programme. Puis là, je lui propose de faire une réévaluation de sa condition cardiovasculaire. Donc, on refait le test qui avait été initialement fait en mai pour établir c'est quoi son VO2 max, sa consommation maximale d'oxygène. Elle avait obtenu en mai un résultat de 29. Donc 29 millilitres par kilogramme de poids par minute. Ça la classait dans la catégorie acceptable. Nous autres, on a 5 catégories. C'est soit médiocre, acceptable, bien, très bien ou excellent. Fait qu'on s'entend là que acceptable, c'est pas génial. Là, lundi, à la fin du test, elle était passée de 29 à 39 et elle avait passé de la catégorie acceptable à très bien. La madame était vraiment contente de Nadine, vraiment contente de tous les efforts qu'elle a faits pour en arriver là. Félicitations, Nadine, c'est vraiment cool à voir. Puis toi, est-ce que ça te tente d'avoir des réussites comme ça? Ben, si oui, appelle-nous!